Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 15 de notre aventure Dex les mains sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire le pont. Donc le pont, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, le pont qui passe au-dessus des rails. Donc j'ai bien avancé. Donc plein de petits. Comment dire? C'est un peu chiant à faire en fait, parce que faut calculer à chaque fois avec le cadastre à côté. Regardez, je prends l'outil mesurer. Ah, je dois mesurer les distances à droite à gauche pour que tout rentre mais parfaitement bien et que ce soit le plus propre possible si je puis dire. Et donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là on est sur le trottoir, donc le trottoir qu'il y a juste ici c'est celui qu'il y a là donc pour cette route. Et puis là la structure qui monte, donc c'est le pont, c'est la partie ouest du pont, donc c'est-à-dire à votre gauche. À la gauche plutôt. Et donc voilà, j'ai plutôt bien avancé. Et puis bah, pour cet épisode, je pense qu'on va finir ce pont. Comme ça, ce sera fait. Et puis on va pouvoir commencer. Donc là, il y a le boulodrome, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a un grand parking devant. Donc ça, c'est pas forcément compliqué à faire. Et puis ça pourra boucler ce petit quartier. Et ça nous donnera accès surtout vers l'hôpital. Et donc ça nous ouvre la porte à un nouveau quartier. Et ça, c'est top. Ça permet de changer un petit peu d'endroit. Et avant ça, je pense qu'on va faire la petite maison qu'il y a là. Ça peut être sympa de faire la maison là. N'est-ce pas? Allez, go. Et voilà, donc pas tout de suite la maison, plutôt. Donc on va s'attaquer au pont. Donc je vous laisse admirer un petit peu avec une petite musique qui va démarrer tout de suite. Et on se retrouve dès que j'ai bien avancé. Bah voilà ce que ça donne. Donc bon, faut que j'arrête de dire donc. J'ai pas fait les lignes blanches au milieu, faut que je vois encore s'il faut que j'adapte encore encore un petit peu. Je n'ai pas fait non plus les pistes cyclables, donc c'est sujet à changement et à prolongation et à modification. Et j'ai aussi modifié un petit peu les rails, donc comme vous pouvez le voir, faut que je restructure encore un petit peu. Et puis comme ça on va pouvoir s'attaquer au gymnase Prérian. Mais pour le prochain épisode, ce sera l'avenue Charles de Gaulle.
et je vous laisse maintenant avec la construction de la maison. Et voilà, donc du coup on se retrouve 3 avenues d'Italie pour faire cette petite maison. Donc ça va être très très simple à faire, hein, il n'y a pas grand chose. Surtout qu'elle me paraît assez vide. J'ai enlevé ce qu'il y a dans mon inventaire. Donc déjà dans la première façade, on a 2 petits garages. Un. On va les faire comme ça, 2, 3. Ça peut être sympa. Voilà, c'est parfait comme ça. Ça rentre pile. Hop. Est-ce que... Voilà, je regarde s'il y a un petit jardin de l'autre côté. Les fenêtres, je sais pas si on a sur les côtés. Hop. Histoire géoportail. Ouais, il y a une genre de terrasse. Hop. Qu'on va prendre. Ah bah, j'avais déjà fait en fait. Ok, bon bah ça va être cool. On va faire une grande baie vitrée de 3, une autre grande baie vitrée de 3, ça peut être sympa. Ensuite pour l'étage. Donc l'étage qui est à ce niveau-là. On va faire des petites fenêtres de 2. Sur les côtés, normalement, il n'y a pas vraiment de fenêtres. Il y a rarement dans les zones pavillonnaires comme ça des fenêtres qui donnent sur les voisins, mais on va quand même en faire une parce que. Au moins pour le premier étage et une autre grande ici. Ouais. J'en ferai même une de 4 pour que ce soit symétrique. Et une autre sur les côtés. Voilà, comme ça. Une là. Ça fait une petite forme. Ça peut être sympa. Hop, du coup à l'avant il n'y a rien. Comme ça c'est réglé. Hop. Au niveau du toit, j'ai l'impression qu'on est sur un toit plutôt en briques. Là, on va finir d'abord l'étage. On va mettre la fenêtre ici. Donc à l'avant aussi. Faut que je fasse les baies vitrées. Ici, on va faire une petite fenêtre aussi. Deux petites fenêtres, tiens. Ça peut être sympa. Une là et une là. Puis à l'étage, on va faire deux petites. Et des toutes petites pour le coup. Une là et une ici. Et pour cette dernière partie, on va faire une grande fenêtre. Et en bas, on va en faire une là. Et une ici. Voilà, donc on est bon niveau fenêtre. On va mettre de la laine noire derrière. Parce que je ne fais toujours pas l'intérieur des bâtiments. Ça n'aurait vraiment aucun sens pour le coup. Je ne peux pas aller chez les gens et essayer de refaire chez eux à l'intérieur. Même si en soi je pourrais. Hop. Du coup le toit, on va prendre de la brique. Hop. Des slabs plutôt. Alors on va retourner dans la rue. Ok, donc on est sur un toit comme ça, je vois exactement comment on peut faire. Hop là. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est pas forcément passionnant à voir le toit, donc je vais avancer. Donc voilà, le toit fini. Donc ça rend plutôt bien. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, sur le côté, pour en décaler un petit peu, sur le côté, il y a une genre de d'escalier. Donc on va faire les escaliers. C'est vrai que j'ai pas pensé à la porte d'entrée. On va prendre du coup un truc qui ressemble bien. On va prendre de la sandstone plutôt. Ça ressemble pas forcément, mais du coup on va supprimer cette fenêtre. Voilà. Et ici, à la place de cette fenêtre, on va mettre une grande porte d'entrée. Si je trouve, voilà, ici. Et du coup, bah, c'est parfait comme ça. Juste
modifier ça, voilà. Et là, on va faire une entrée un petit peu plus accueillante. Voilà. Cette zone, la maison est vraiment, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la maison est vraiment en diagonale, donc ça va être très très compliqué à la faire. Donc je m'y attendrai plus tard. Hop, on va juste enlever ça. Et on va faire une vraie haie. Hop, 2-3 de haut. Qu'on va prolonger jusque là. Hop, on va rajouter des petits détails à droite à gauche. Hop, ici, là, on va faire des petites cassures. Là aussi, on va faire un angle un peu plus propre. Hop! Et ici en dernier. Et là, on est parfait. Voilà, ça fait une petite séparation. Bon. Donc voilà ce que ça rend, le rendu final. Je ne vais pas mettre plus de détails pour l'instant. Puis ça me paraît bien. Ça me paraît même très bien. Hop, juste là. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et puis on se retrouve très rapidement pour la suite de notre aventure. Bye bye!